tout le monde, voici Champion MMC. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur OpenTTD. Aujourd'hui, nous allons. Je vais procéder avec une nouvelle méthode. La nouvelle méthode d'enregistrement consiste tout simplement pour aller un peu plus vite parce que sinon la série va être interminable. Bien sûr, il faut qu'elle se termine un jour. Puis pour qu'elle se termine, bien sûr, on va pas tarder. Je vous ai là, nous sommes en février 1958. Jusque là, il n'y a aucun problème. Dans la dernière vidéo, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons recordé cette ville. Donc nous allons peut-être, je vais peut-être faire de quoi avec cette ville. Quoi? Si vous suivez, vous en doutez un peu. Sinon, la surprise, ça va être la surprise. Ici, il y aura une lutte. Ici, malheureusement, ça commence à s'épuiser tranquillement pas vite. Nous sommes rendus à 40 000 litres. Mais ça va s'épuiser tranquillement pas vite. Puis, j'ai rien dit. C'est fun que j'ai rien dit, c'est très le fun. Comme ça, les puits de pétrole ont le temps de se régénérer tranquillement pas vite. Puis une fois régénéré et tout ça, je pourrais avoir du pétrole à l'abondance. C'est le fun ça. Ça augmente encore. Oh, ben oui, ça a augmenté. C'est rendu à 90 000 litres. Oh, que c'est formidable! Mais ça, là, je vais vous laisser, je vais revenir de temps en temps. Je vais vous revenir après, peut-être en 1960. Je vais revenir. À tout à l'heure! On se retrouve en 1960, donc, on a un ami. Vous savez, ça fonctionne à merveille, le système. 4 trains. Ça sert à relever. Vous voyez l'efficacité. Plus tous les trains sont là. Je vais en profiter. Faire ceci. Voilà. Quand j'ai construit ça, ils avaient tombé au jaune. Non, c'est vrai, c'est au rouge. Morlaix. Et maintenant, Montréal est devenue la plus grosse ville au monde. Et Morlaix s'est fait déloger. Puis lui, il perd des habitants. Mise à jour importante qu'il va y avoir sur Windows. Vous l'avez peut-être eu une mise à jour importante, mais moi c'est là que je l'ai. Ok, il est là, le train. Je me suis trompé de train. Je me disais, pourquoi il passe tout droit? Pourquoi il s'en va pas là? Parce que oui, j'ai fait une petite dépense. Une petite grosse, une pas mal grosse dépense. D'une certaine façon. Mais il faut investir. Je me dis, il faut bien que je le fasse à un moment le plus vite possible. Bien évidemment. On va prévoir le coup. Ce que vous voulez. Puis de toute façon, nous sommes en 1960. Et il arrive le 31 décembre. Ouais, le train arrive juste avant le jour de l'an. Puis de voir tout le monde au jour de l'an. Ah, du moins. On se comprend. Le profit commence à se faire sentir. Maintenant, je peux emprunter 1,2 million. C'est le fun. Non, j'ai plus 200 000, j'ai 300 000. Pour ça, je me suis dit, pourquoi pas faire une petite dépense. Mais à un moment donné, tout ça aura porté fruit parce que tout va augmenter. Puis tout va être plus rentable. Je vais peut-être même augmenter le nombre de véhicules. De bourre, peut-être. Je suis en train de me demander si je devrais pas le faire. Mais pour l'instant, tout fonctionne bien, puis ce système-là fonctionne bien. Et à merveille.
Ça, pour le réseau ferroviaire, il faut vraiment bien gérer le tout. Tout simplement. Je pense que ce qu'on va faire là, regardez bien ça. On va aller là. On va faire ceci. Qui va quand même coûter cher. Mais je dis qu'on n'a pas le choix. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Pourquoi je fais ceci? Tout simplement, on va faire favoriser un tout petit peu ceci. Passager. On va aller commencer par passager. Ah non, je peux pas construire rien. Ouais, je peux. Il est jaune, je suis correct. Nouveau véhicule. Passager. Je jette. On va s'essayer parce que je veux pas qu'il soit une plus petite ville encore. Là. Quand même, faut pas le perdre. Surtout côté ferroviaire, faut pas le perdre. Surtout. C'est sûr, qu'est-ce qu'il faudrait? Faut emmener peut-être une entreprise là, directement, mais là, c'est Montréal qui a le monopole. Qu'est-ce que vous voulez? Ah oui, c'est vrai. Ah, j'ai fait là. Je pensais que j'avais pas fait. Courrier, on va faire le courrier aussi, tant qu'à ça. Passager et courrier. Parfait, il accepte encore. Peut-être pour faire augmenter la population de Bayonne au moins. Parce que là. Ça c'est bon. Mais au moins faire augmenter la population là, quand même. Montréal, pour faire mieux que ça. Tout est centralisé ici. Oui, passager. Voyons les trains. Les trains, lui, c'est normal qu'ils soient en déficit parce qu'ils commencent. Trop ça sont pas en déficit du tout. Pour qu'est-ce qui est ici, t'en as un, trois, c'est tout. À un moment donné, il y en a un qui était en déficit de 4$. Sérieux, juste 4$? On s'en foutu. Je dépenserai pas trop pour les trains parce que ça coûte cher. Si j'investis, je vais peut-être investir un niveau en automobile. On va prendre un céréales, pas courrier, qui est plus loin, et bétail, qui est ici. Voici, bétail, c'est en dessous. Voilà! Ok! Ouais! C'est bon ça, c'est bien ça, t'as bien ouvert la bouche! N'importe quoi. Oh! Raffinerie pétrolière. Oui! Oui, ça va coûter cher, mais ça va être rentable. Oh, juste à côté. Oh! Ça va me coûter cher, mais ça va être rentable. Comme ça, ça peut pas. Mais qu'est-ce que vous voulez, là? J'aurais pas le choix d'investir? On va investir dans un canal. Ça, c'est Montréal qui est le monopole. Le gros. Oh, ouais. Ah, on va aller à Montréal. Oui. Voilà. Parfait. Un niveau. Ça a de l'air. Ça va être parfait. Ouais. Pourquoi pas? On commence avec la grosse vitesse. Ce que ça veut dire. Voilà. Nouveau navire. Pétrole. Coûter. Ok, là c'est pas trop cher, mais. Ça va coûter de plus en plus cher. Allez, à. Lui. Puis,
aller à l'eau. Ouais, parce qu'il y a une limite de distance entre les ports. Malheureusement, là, ça fonctionne-tu? Eh oui! Ouais, malheureusement, il y a une petite limite. Premier navire. Ouais, il y a vraiment une limite de distance qu'un navire peut parcourir sans arrêt. Malheureusement. Puis nous, qu'est-ce que je vais faire à l'instant? On va investir dans un aéroport. C'est gros quand même, un aéroport. Il n'y a pas d'édifice maintenant! Tu me refuses ça, là, il y a un méchant problème, là. Merci! Ah, c'est compliqué! Ah, là, c'est aérien. En plus, on va utiliser des hélicoptères. Quoi? J'ai pas assez d'argent. C'est vrai que ça me coûtait cher. Les combien de... Ils ont un peu pris. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, je suis en déficit! Ça me coûte trop cher, au moins un, je peux-tu, au moins. Je peux pas emprunter! Oh, 1,2 million est déjà fait. Ah, le navire m'a coûté cher. C'est vrai, le navire, là, ça m'a coûté cher. Moins 414 000! Chier! Ça m'a coûté cher. Là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout, tu sais, vous savez, autobus et courrier là ici. Ce que j'ai fait, j'ai tout simplement fait ajouter une nouvelle ordre. Soit qu'il va, si il commence là, il s'en va ici à Morlaix. S'il commence là, il s'en va à Montréal. Tout simplement. La raison est telle que ça. Là, ils font pas d'argent, là, même sur, comme vous avez pu voir, les 4 là, c'est les 4 qui sont en déficit. Si je veux faire du profit, là, j'ai pas le choix d'aller puiser dans les grandes villes. Est-ce la dernière vidéo là, des jeux? Je pense de la saison 1? Ou non? On va voir ça. Là, c'est. La fois, c'est loin. Là, j'ai pas eu de chance pour quelques du pétrole comme ça, là, c'est loin. Il fait le tout qui me rapporte un bon 25 000 dollars. Mais non, même avec le 25 000, ça ne changera absolument rien que lui. Il m'a fait donner un bon 14 000 dollars, puis non. Malheureusement, c'est tout pour cette série déjà terminée. C'est malheureusement, je suis en faillite. À un moment donné, en plus, il y a un autre là qui s'est créé. J'aurais pas pu en avoir un autre à proximité qui serait créé, comme ça, j'aurais tout de suite exploité cette plateforme sans hésiter. Là, peut-être j'aurais peut-être survécu. Là, il était à 200 000, on était à 400 000, mais le temps de se rendre là-bas puis revenir, la chance qu'il n'ait pas été plein de capacité, mais quand même. Malheureusement, je suis à 300 000. Je sais que je ne réussirai pas à remonter. Malheureusement, je ne génère pas assez d'argent. J'ai fait faillite. STCMC fait désormais faillite. Mais je vais revenir, je vais vous montrer mes autres parties tant qu'elles sont là. Je vais sauvegarder quand même.
Mais je te souhaite, j'ai fait fête et je reviens. Bon, on est de retour. Celle-là, celle-là a une particularité assez particulière. Pourquoi j'enregistrerai pas de toute façon? Parce que celle-là, j'ai passé en 1925. C'est la date, si vous voulez avoir un défi, c'est uniquement ferroviaire. Voici ma première ligne de train. Encore là, mais plus accès parce qu'il y avait ici une forêt. Parce que ici, il y avait même une scierie. Puis je l'emmenais ici. Maintenant, il n'est malheureusement plus actif désormais. Ça, c'est tellement pas un bon pont. Ça c'est. Je sais pas ce pont-là, ça vaut pas la peine. Peu importe là, ferroviaire ou non, achetez pas ça, c'est que ça ralentit le véhicule. Surtout si t'as des hautes vitesses là, n'achète surtout pas ça. Ça c'est, j'ai parti en 1925, je suis quand même limite. Limite peut-être, mais j'ai quand même un petit. J'ai juste 600 $ d'emprunt. 600 000, 620 000 $ d'emprunt. Je suis en remboursement en ce moment. Ouais. Ça c'est une de ça c'est ma ça c'est un petit défi que je me suis donné. Mais c'est pas ma plus grosse. Je vais vous en donner un autre aussi. Charge une partie. Ah, c'est vrai, je peux pas partir. À faible coût, c'est que je me suis amusé. Ici, les coûts est beaucoup. Est vraiment diminué. C'est en gros tout qu'est-ce qui tous les véhicules et tout ça n'augmente jamais. C'est le 31 millions. Mais il n'augmentera jamais parce que j'ai fait changer un peu les paramètres pour que le coût ne monte pas au fil du temps. Puis l'entretien non plus. Parce que c'est ça qui fait qu'en sorte qu'on fait faillite, quoi. Sinon on l'aurait pas fait faillite. Ici, ça, c'est du maglev. Sachez que le maglev, je ne sais pas si ça existe, mais ça va. Si ça n'existe pas, ça va bientôt exister. Sachez qu'ici, il y a 4 voies, il n'a jamais été rempli. Oui, une fois. Une seule fois. Ou deux fois. Ça, il a juste été rempli une seule fois. C'est tout. 4, puis je sais plus, au moins 12 trains. Je suis ferroviaire presque à 100%. Je suis de 12 trains, puis c'est plus rapide. Puis, même avec 12 trains, ils vont tout de suite sur Montréal, c'est la capitale. Puis, il n'y a aucun. Il n'a jamais été plein. Juste une fois sur le map, c'est tout. Sinon, il n'a jamais, mais jamais été plein. Puis, 4, ça va très bien. Ça, c'est tout mon réseau. Ici. Tout ça. Je suis en train d'essayer de tout exploiter. C'est long, mais à un moment donné, je vais y arriver. De toute façon, les coûts, on s'en fout. Parce que là, j'augmente plus que ce que je dépense, honnêtement. Vu que les coûts augmentent pas. Peut-être, à un moment donné, dites-moi en commentaire si vous. Je vais peut-être désactiver. La prochaine, là, je vais désactiver. Le coût des véhicules qui augmente en permanence, mais l'entretien va augmenter en permanence par contre. Alors, je vais essayer ça. On va faire ça juste pour le fun. Au pire, j'arrêterai à un moment donné quand il va être assez développé. Là, on va aller à la dernière. Ça, c'est ma première partie, mais vraiment ma première partie. Sachez que je n'enregistre rien. Une banque là. Banque appartient à qui? Carl appartient à lui. Ah ouais. Ah. Là je suis à 5 millions. Sachez que j'étais à 14 millions. Je vous le dis tout de suite, j'étais à 14 millions, mais ça coûte tellement cher. J'ai la. Là je savais de faire faillite là. Je savais, c'est une question de temps.
Lafayette, là j'ai en ce moment j'ai 8 trains, j'ai 3 trains à changer. Vous avez pas idée combien ça coûte cher. Ça, je survis, mais ça c'est une question de temps avant que je survive plus. Mon premier réseau, c'était. J'ai commencé. J'ai pas comme tout de suite commencé ferroviaire, j'ai commencé terrestre. Ici. Et surtout, et tout de suite avec les forêts. Lui, ça fait depuis début qu'il est là, puis il roule encore. Imaginez, il roule encore là. Depuis le début qu'il est là. Puis lui avec aussi, si je me trompe pas, il est là depuis le début. Ces deux-là, je les exploite depuis le début. Je pense même lui, je les exploite depuis longtemps. S'il y avait deux rangées de puits pétrolières, je les ai vues entre peu de temps, pas longtemps. Ça, c'est 4000. Ouais, c'est ça, j'ai renommé Montréal parce que c'est la plus grande ville. Ça, c'est tout ça. Je fais pratiquement toutes les villes. Pas encore, mais pratiquement. Puis rendu à cette étape-là, l'agricole, tout ça, pas grand-chose. Surtout côté ferroviaire, là, je me suis plus mis dans le trou ferroviaire à cause de ça que d'autres choses. J'ai pas de. Ah oui, j'ai maritime un peu. Ouais, c'est vrai, j'ai maritime. Mais j'ai pas aérien. Faudrait peut-être que j'investisse un peu aérien. Ça serait une de Charlotte. Ah oui, il y en a un là. Ok, on va aller. Ah non, c'est vrai. Ah. On va aller. Une place que j'ai tout. Voilà. Ici, c'est ferroviaire et électrique. On va aller à tout type de véhicule. C'est vrai qu'il fait plus d'électrique. Je pense. Ah non, il en fait encore. Ici, c'est Mag. Non, ça, c'est Maglev. Ou Monorail. Monorail. J'ai vu un petit 1,4 million, 1,7 million de véhicules. Imaginez le maglev. Ouais, maglev. Ici, 2 millions, 2,1 millions, 2,3 millions, 2,7 millions. Il fou comment ça coûte cher. Ouais, ici il y a des électriques. 800 000, puis 1,2 million. On comprend que je l'avais de pas vite. Hein? Ça, c'est ma partie. Ma première partie, j'ai commencé ça en 2000. Puis je suis rendu en 2126. Ça fait 126 ans que la compagnie existe. 126 ans. Mais je l'avais de pas vite. Je vous le dis garanti, je t'avais. Vite. Alors pour ça, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo qui est une faillite totale. Malheureusement. En passant, ça c'est la. Côté ferroviaire, c'est. Ils passent tout par là. Ils passent tout par cette ville-là, niveau ferroviaire. Vous savez, à un moment donné, ils acceptent plus. À un moment donné, il y a des villes qui. Pas content, mais la plupart sont contents. Quasiment moins 1 million. Ah, c'est sûr, ça coûte cher. Mais qu'est-ce que vous voulez, ça. Le prix coûte plus cher que le revenu. C'est ça, d'une certaine façon, dans la vraie vie, hein. Et si je fais rien, du profit. Peut-être. Si je fais rien. Mais dans le fond, alors pour ça, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Twitter,
ou encore aller visiter mon site internet dans le lien et sur la bannière de ma chaîne YouTube. Vous pouvez toujours aller aussi sur mon serveur Discord, dont tout le monde est bienvenu. Alors pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Quand pour OpenTTD, je ne le sais pas. Mais on se retrouve pour une prochaine vidéo. Alors pour ça, je vous dis merci à tous. J'ai dans la tête un vieux sapin, une crèche en dessous, un Saint-Joseph avec une canne en caoutchouc. Elle était mal faite, pis j'avais fait.